Allez, bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce moment détente. Donc on va démarrer assez rapidement pour le coup. Voilà, hop. T'es où? T'es là. Non, t'es pas là, t'es là, voilà. Voilà, parce que le live a commencé, que je suis pas dans les temps, comme d'hab, j'ai une minute de retard, comme d'hab, et qu'il faut que je speed, comme d'hab. Et qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, parce qu'entre les missions secondaires, comme je dis, il y a que les petits minous, tout ce qui est... tout ce qui est pièces pour les trucs de com, les playboy, les hot rod, les repent, ça je m'en chargerai personnellement hors caméra, tranquillement, en essayant de faire en sorte que d'ici la fin du playflug, ou let's play comme vous voulez, ce soit terminé, achevé, bouclé, voilà, pour qu'on termine le jeu plus ou moins à 100%. Comme ça moi, Mafia 3 sera mis au placard avec le reste des autres jeux que j'aurai terminé. Pour un temps jusqu'à ce que je décide de m'y remettre. Mais voilà, vu que j'aime bien faire un jeu plus ou moins à 100%, du moins le maximum de ce que je puisse faire, voilà, voilà. Donc nous sommes repartis. Encore. Voilà, d'où le fait qu'en fait vous me voyez jamais popper au même endroit, parce que entre temps moi j'ai été faire des trucs, des machins, des bidules. Là j'étais là, exemple voilà, ici j'ai fini ma contrebande, donc je suis à 100%, donc revenu max, ce qui fait voilà 4080, il y a du pognon à se faire. Et d'ailleurs, en parlant de pognon, en fait, ils m'ont rapporté beaucoup de pognon. Donc. Avec ce qu'ils vont me rapporter, dans l'idée et la logique des choses, on va pouvoir entamer directement avec avec cette petite mission secondaire que j'aimerais bien terminer, boucler, achever, et qu'on n'en parle plus définitivement, donc rénover le bar de Samy, vu qu'il me reste plus grand chose à faire, que j'ai plus tant d'argent que ça à dépenser. Et une fois ça fait, on pourra passer à la suite et se concentrer vraiment sur la suite. Voilà. À savoir qu'en revanche, les petites missions secondaires en prime que nos trois capots, enfin nos trois lieutenants, peuvent nous donner, j'y touche pas, je les garde en revanche pour les faire en live tranquillement, hop, puisque ça reste quand même des bouts d'histoire. Voilà. Vu que c'est sur le background de chaque personnage, on apprend un peu plus sur eux. Donc ça permet justement de... comme je viens de le dire, d'en apprendre un peu plus sur le background de l'histoire. Ce qui est assez sympa et intéressant à faire, quand même. Oui, tout de même. Non, peut-être pas. On s'en fout. Donc, et comme je l'ai dit, de toute façon, c'est finaliser le jeu au maximum. Alors... d'autres. Waouh, il y a du people ici. Bon, ça doit être une zone que je dois récupérer, je suppose. Voilà, désolé, j'ai été rapidement interrompu. Brièvement. D'où le fait que je me suis tapé un accident. Parce que j'avais plus la manette dans les mains. Enfin voilà. Oui, j'ai mon repas qui est arrivé, donc forcément je fais du n'importe quoi, comme d'hab.
Voilà. Toi, tu dégages. T'es vivant? Ah ouais, il est vivant. Merde alors. J'ai loupé. Voilà. Bon. Bah merde. Voilà, on est garé. Putain, je tourne entre 20, entre 15 et 30 FPS, c'est mal. Attention. Pourquoi attention? Ah oui, il faut que je monte à l'étage. Bonjour, vous allez bien? Non, ça sont les toilettes. Voilà, bureau. Bon, d'accord. Alors. J'ai presque plus d'idées là. Eh ben c'est bien, c'est justement comme ça. Oui, mais j'ai pas récolté les fonds, donc comment tu veux que je fasse la moindre amélioration si je récupère pas les fonds? Donc je suis obligé de redescendre, sortir, pour appeler ma pépé qui récupère mes fonds. Pardonnez-moi. Hop, bonjour messieurs. Ah oui, juste avant, quand même, quitte à être ici. Et avoir la classe. Hop. C'est quoi ça? Le local des employés. Hop. Voilà, et ça c'est ma chambre. Alors, hop, on déverse l'argent. Ah ouais, ça a quand même de la gueule mon salon. Ah bah bien sûr, on va changer de tenue, du formel. Voilà. Avec la petite tenue en Kevlar, parce que bah faut savoir se protéger quand on est patron. Mais attendez, je visite un peu. Hein. Ah bah ça nous ramène ici, ok. Ah d'accord. Il me propose un mini-jeu, mais non. Bon, c'est pas grave. Voilà. Bonjour messieurs dames. Comment allez-vous? Portez bien? Vous aimez la musique? Et moi je suis bourré. Voilà, pardonnez-moi. J'ai un coup de fil à passer. Mais pourquoi dehors? Cherche pas. Détends-toi, je te rejoins. Eh ben encore heureux qu'ils me rejoignent. Ton argent est toujours en sécurité ici. Beaucoup plus ça. Je décolle. Appelle-moi si tu as besoin. Voilà, merci d'avoir récupéré mes sous-sous. Et maintenant, hop là. Le bar de Samy a l'air carrément respectable, dis donc. Faut voir les activités qu'il y a derrière. Alors, ça me coûte 5000, vas-y. Hey, je vois que tu as donné une certaine classe à Oscar. Pas encore heureux. 3000. Allez, dites-moi que c'est 5000 ou... Samy a fait faire cette déco murale. 7000 pieds-poil. Ça rappellera aux gens ce que Samy a accompli. Et voilà, ouvrir nos portes. Salut. Bon, il serait peut-être temps de montrer les efforts qu'on a faits.
Je sais qu'on a ouvert, mais je parlais de vraiment ouvrir nos portes à tout, Del Rey. Qu'on voit qu'ici, c'est chez toi. Je suis d'accord. Je suis pas mal fier de ce qu'on a fait. Donc, on va faire une belle soirée d'ouverture. Ça marche. Va donc te préparer et reviens me voir quand tu seras prêt pour la fête. Avec l'argent que j'ai claqué, je veux quoi. J'ai dû claquer plus de 100 000 dollars là-dedans. Bah, j'étais déjà prêt. Ah oui, d'accord. Pardonnez-moi, messieurs. Vous me connaissez presque tous. Sinon, je suis Lincoln Clay. C'est moi qui paye les factures ici. La personne à vraiment remercier pour tout ça, c'est Lily Robinson. Tante Lily, viens par là. Mon frère, Sammy était un homme complexe. Il n'était pas parfait, mais il a réalisé une chose rare. Il s'est fait une vraie place au sein de cette ville. Il a créé une partie de New Bordeaux où le patron était un noir. Nous rouvrons les portes de chez Sammy pour que le business à Del Rey reste au noir. Pour faire bosser les gens de Del Rey. Pour servir les gens de Del Rey. Cette ville peut s'en prendre à nous ou carrément nous oublier. Mais on y aura notre place. Maintenant et pour les années qui viennent. Merci. Que dire de plus? J'ai pas l'habitude des longs discours et j'imagine que vous voulez tous retourner boire. Mais Sammy serait heureux de vous voir tous réunis. Alors levons nos verres à sa mémoire et à celle des autres. À Sammy! À Sammy!